Bienvenue au printemps de Bourges. Bienvenue au printemps de Bourges. Bienvenue au printemps de Bourges. Ouais, ouais. Concert, non. Genre pas festival. Oui. Festival, oui. Oui, totalement. Oui. Non, je suis allée à des concerts sur Lyon, parce que je viens de Lyon. Ah, depuis le confinement, ouais, c'est mes premières sorties, ouais. J'aime bien le McNab, à Vierzon. Soit je vais à Orléans au Zénith, ou alors au Vinci à Tours. Je ne sais pas. Je pense que je dirais le W, mais je suis pas sûre. Centre Val de Loire, tout est bien. Ouais. La Maison de la Culture, de Bourges. Ah bah, si on avait Iggy Pop, ce serait pas mal. Ouais, ouais. Si tu m'entends, Iggy, tu viens? Orelsan et Damso. Jules. J'aurais bien aimé Stromae ou Angèle. Moi, j'aime tout. Voilà, je suis pas difficile et puis je suis là pour m'amuser. Muse. Black Peas. On est venu pour Clara. Sofiane Pamart. Oboy et Luigi Pekka. Et je viens pour Clara Luciani. Edith De Preto. I am. On ne fait pas de concerts payants. On est venu se traîner sur le printemps, voir les concerts gratos. Ouais, le printemps et la région, c'est super. C'est un partenariat qui se développe maintenant, depuis toujours, j'ai envie de dire. Mais de plus en plus, il prend forme et c'est super parce qu'on partage les mêmes valeurs, je pense. On veut transformer le festival pour en faire un événement responsable et en faire un événement aussi le plus généreux possible, qui oublie personne. Et ça, on ne peut pas le faire sans les autres. Et je pense qu'on a une région qui comprend, mais qui surtout adhère complètement à ça. Donc on va dans la même direction, c'est super, ça permet de faire plus. On est tous concernés, on a envie que demain existe déjà. Mais pour que demain existe, il faut qu'on apprenne à vivre différemment. Et c'est compliqué de faire vivre un monde aussi complexe différemment quand on a pris des habitudes. Demain le printemps, c'est simple, c'est un village qui veut montrer un petit peu ce que tous les acteurs d'une région sont capables de faire pour que demain soit plus joli. Que ce soit les entreprises privées, mais aussi le monde associatif, les collectivités. Et puis nous tous, le public, parce que rien ne va se faire sans les autres. On a besoin des boîtes privées, on a besoin des collectivités. C'est un peu l'idée de ce village. Juste à côté de la cathédrale, parce qu'on avait envie d'aller plus dans la ville, parce que la ville est tellement belle, il faut la montrer. Et surtout, au cœur du village, c'est l'église. Et cette église, c'est plutôt un chapiteau dans lequel il y a des ateliers pour les enfants. Et tout est gratuit, on apprend à chanter, on apprend à danser, il faut simplement s'inscrire. C'est gratuit, ça sera tous les ans. Et puis il y a des boutiques, et il y a à manger. Enfin voilà, c'est le printemps, responsable. La région est très heureuse que ce printemps soit vraiment un printemps grandeur nature. Grandeur nature parce qu'il y a eu ces années difficiles avec la crise. Grandeur nature parce que la région est très présente, et elle est présente avec sa marque de l'année 2022. C'est le Jardin de la France, c'est la culture dans tous ses états. On est très heureux d'être là. On est très heureux d'être là, d'abord parce que nous apportons un fort soutien au printemps. C'est un grand moment, une grande fierté pour Centre-Val de Loire, pour ses habitants, pour le rayonnement, pour les artistes. On est là aussi pour la solidarité. Et tout à l'heure, je remettais au Secours Populaire 200 entrées qui vont être remises à des jeunes qui sont dans les quartiers, des jeunes qui, sans ce geste-là, ne pourraient pas profiter d'une belle soirée, d'un beau concert. On est heureux aussi d'être là parce que Bourges a une très belle ambition, celle de porter statut de capitale européenne de la culture. Et ce n'est pas des choses qui tombent du ciel, c'est des choses qui viennent finalement concrétiser un engagement pour la culture. Bourges et la culture, c'est toute une histoire. Bourges et la culture, c'est un présent en action. Bourges et la culture, c'est à la fois la création de la solidarité, donc on est très 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 content d'être là.